Salut à tous, c'est Remnant. On se retrouve aujourd'hui pour une astuce sur Pokémon version Argent, Soul Silver, qui marche aussi sur Pokémon Heart Gold. C'est une astuce 4G, c'est-à-dire ça appartient des versions Perle, Platine et Diamant. Donc elle est sortie au moment de la 4G. Alors l'astuce est pour avoir bon, je vais démarrer le jeu comme ça va me revenir. Des noix grunes plus rapidement que la normale. J'y pense la dernière fois que j'y avais joué. Là, j'ai recommencé une partie et tout ça. Bon, là, on voit que je suis devant. Donc, je vais tout simplement prendre cette noix grune. Hop là, je la prends. J'obtiens une noix grume vert. Je sauvegarde. Voilà. Puis on va faire un petit voyage dans le temps. Alors, on va pas avancer d'un jour. Puisque quand j'étais petit, j'avais essayé cette méthode, ça marchait pas. Puis un jour, quand j'avais pris une noix grume et que j'avais joué tard, bah, j'ai remarqué que la noix grume se remettait le matin. Du coup, on va changer l'heure. On va mettre 23h59. Alors, bon, là, je suis sur une 3DS, ça marche aussi pour une DS Lite ou une DS i, je crois que c'est comme ça. Alors, on va dans les paramètres, on va dans date et heure. Heure. Bon, vous le voyez pas sur l'écran du bas, mais je vais mettre 20h, hop, 23h59. Hop, voilà. À partir de là, vous avez une minute. Parce que sinon, après, ils vont croire que vous avez avancé d'un jour. Donc, vous revenez sur l'écran d'accueil et vous relancez le jeu. Hop, argent, Soul Silver. Hop, c'est une astuce toute bête, toute simple. Voilà, je voulais la dire parce que j'ai vu que il y a 4 ans, quand j'y jouais, personne, enfin, j'ai pas vu beaucoup de tutos qui montraient cette astuce. C'est peut-être en retard, mais pour ceux qui aiment bien rejouer à leurs anciennes versions, ça peut être utile pour faire des Pokéballs spéciales. Donc, si je regarde sur le Pokématos, il est 23h59. Hop, il n'y a toujours pas la noix grune. Hop, comme par magie, elle réapparaît. Hop là, je la prends, j'en ai deux. Après, pour en avoir beaucoup plus, je vous conseille de faire une ronde de toutes les régions, les prendre, puis faire cette astuce, revoler. N'hésitez pas à vous déplacer pour en avoir beaucoup. Voilà, c'était Remnant7 pour une astuce pour avoir beaucoup, enfin, beaucoup, avoir des noix grumes bien plus rapidement que la normale, au lieu d'une par jour. Allez, big fun, peace, à plus les gens! Re-salut à tous, excusez-moi, cette méthode marche aussi pour la fabrication des Pokéballs, j'allais oublier. Donc je vais vous montrer, je vais prendre la noix grume hein, pendant que j'y suis. Bah, la méthode, bah, c'est la même, sauf que là, on donne les dés aux fabricants. Alors, hop, on rentre. On va voir le gentil Pépé, monsieur Fargas. Hop, on lui donne. Alors, sur l'écran d'en bas, je lui donne 3 noix grumes blanches. Blanc, je sais pas comment ils disent. Blanc, voilà. Et hop, je vais lui en donner bah, 3. Ok, oui. Il me faudra une journée pour tout finir. Alors, je vais sortir. Perso, moi, je sors. Comme ça, je suis sûr que ça marche. Je sauvegarde. Sauvegarde en cours, ne pas éteindre.
etc. Comme d'hab. Ça marche sur toutes les DS. Je le rappelle, je regarde dans le Pokématos quelle heure il est. Alors, il est minuit 2. Je vais l'appeler pour vous montrer que bah il n'a pas fini. Hop, je suis Vergas et c'est toi M27. Je suis en pleine fabrication. Attends encore un jour, c'est ce qu'il vient de nous dire. Bon, on va aller changer l'heure. Cette astuce était très 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 bien à l'époque. Enfin, je l'utilisais. Je sais pas si quelqu'un avait déjà fait des vidéos là-dessus. Bon, moi je la fais. Hein. Je partage ce que je sais. Hop là. Autre paramètre. Date et heure. Alors, heure. C'est toujours la même. 23h59, on met OK, heure sauvegardée. On le voit en haut ici. On quitte tout. Puis on lance le jeu. On a une minute. Sinon, le jeu va croire qu'on a avancé d'un jour. Je me répète, mais bon. Faut faire vite. Si vous êtes plutôt long, vous pouvez mettre 2 minutes avant, genre 58. Avant qu'il soit minuit. Alors, j'allume le jeu, je vais vous montrer que en rappelant ça marche toujours pas. Puis quand ça va être minuit, magie comme les noix quand même, ça va marcher. Hop. Pokématos. Il est 59. Je téléphone. Je suis en pleine fabrication, attends encore un jour. Ok, on va attendre qu'il soit minuit. Hop, on va le rappeler et magie. Ah non, excusez-moi. Faut attendre que la B par exemple se remette, puis là on va rappeler, puis normalement ça doit marcher. J'ai fini de faire des Pokéballs avec les noix gommes que tu m'as confiées. Voilà. Alors, j'avais donné trois trucs. Bon, normal qu'il me fasse trois Pokéballs, sinon c'est un peu d'arnaque. Je vais prendre ça. Voilà, vous avez compris l'astuce. Hein. Bon, je vais aller chercher les Pokéballs pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et voilà, speedball, speedball. Puis vous répétez ça en cycle. Pour la méthode d'avant aussi, n'oubliez pas de sauvegarder. Je pense que vous avez compris, je ferai un récapitulatif dans la vidéo et je mettrai aussi dans la description. Allez, big fun peace. Salut les gens, je me répète, mais c'est pas grave.